et laisser tranquille à prendre un cours. On voit ici l'affiche de l'hôtel. D'autres artistes y sont du coup attelés. Et puis il se dit, il faut que je fasse encore quelque chose. Donc il décide de monter un spectacle avec Danny Boyle. Donc Trainspotting, ça vous dit quelque chose? Slumdog Millionnaire, ça vous dit quelque chose? Alors le sens, hop, oui, on va être ça, je vais laisser faire cette salle-là, et puis après vous pouvez passer là, tout est autorisé. Voilà, donc on est ici ce soir parce qu'autour de l'expo Banksy qui nous a été proposée par la Banksy Modest Collection, nous avons deux éminents représentants parmi nous, et dont nous, que nous remercions d'avoir fait cette proposition à Sète et notamment Siemens Club. Donc autour de cette expo Banksy, le Siemens Club de Sète, Foyer des Marins, et sa petite association cousine Projet Jean de Mer, a eu envie d'inviter Marie Faggianelli. Alors Marie est marin et activiste du sauvetage en mer. Et non seulement c'est déjà des trucs super, mais en plus elle a participé à la création du projet de la vedette Louise Michel, qui est la vedette financée par Banksy. Mettre l'humain par-dessus tout et ne pas laisser les fous, les dictateurs, ne pas laisser ces... disons, au nom de leur propre désir de domination, je crois que l'espoir réside en quoi ? Réside en vous, en votre mobilisation, en ta mobilisation. Je te félicite. Donc, je vais juste présenter Marie Faggianelli deux minutes. Donc Marie est marin, elle fait partie de cette jeune femme, cette jeune génération, cette nouvelle génération de femmes qui deviennent professionnelles de la mer. Et à l'occasion de rencontres, pour aller vite, vous avez embarqué sur le Sea-Watch 3 de l'ONG allemande Sea-Watch, qui est donc dès le départ, parmi les autres associations qui ont été sauvées des migrants après, quand la grande crise migratoire s'est mise en place, enfin s'est déroulée au milieu de 2015-2016. Voilà, donc vous avez, par relation, rejoint cette équipe. Enfin, la première fois qu'on se rend compte du cynisme des institutions, qu'on se rend compte du système dans lequel on est, et comme on est traité comme des criminels pour juste aller sauver des gens de l'eau, ça marque. Vous développez, un point de vue politique avec le Sea-Watch et puis maintenant avec Louise Michel. Est-ce que vous pouvez, il faut qu'on fasse bien la différence, quel est, vous, votre enjeu quand vous parlez de ce cynisme des autorités? Pourquoi vous dites ça, qu'on comprenne hein? Alors, nous, avec Louise, on pense, et en fait, on en est sûr, que les personnes qui essayent de traverser la Méditerranée se noient à cause des politiques racistes de l'Europe. Que c'est pas parce que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ou c'est pas parce que les moyens ne seraient pas possibles à développer que l'Europe ne peut pas accueillir les gens. On sait que c'est pour des histoires d'idéologie. On travaille en collaboration avec des avocats, on travaille avec des membres du Parlement européen, on travaille auprès des politiques locaux français, européens, on fait... Et auprès des gens. Alors il y a une capitaine allemande qui s'appelle Pia Klemp, qui a été très médiatisée au moment de la première arrestation d'un des bateaux des ONG, qui s'appelait le Juventa. Elle était capitaine du Juventa et elle a été accusée de trafic d'êtres humains. À la suite de cette accusation, elle a porté sa parole dans un TED Talk, ces conférences sur Internet, sur un format très court, qui ont une audience très large. Et Banksy a vu sa conférence et l'a contactée en lui disant « si ça te branche, j'ai des sous et je te les file, tu fais un projet de bateau ». Et du coup, Pia m'a appelée avec ma sœur et nous a dit « qu'est-ce qu'on fait? On fait un bateau ?» Donc on a trouvé Louise Michel, on l'a acheté, on l'a préparé. Et on est parti avec. Donc le Louise Michel, c'est quoi au départ? Alors le Louise Michel, c'est une ancienne vedette des douanes françaises qui servait à raisonner, à arrêter les bateaux de trafiquants. Et pourquoi vous avez choisi ce bateau? Qu'est-ce qui
y a d'intéressant pour vous? Alors, ce bateau, donc au moment où on monte le projet du Louise Michel, on est sur un moment dans le sauvetage en mer où il y a des gros bateaux, donc le Ocean Viking, le bateau d'Open Arms, le bateau de Sea-Watch, qui patrouillent en SAR zone et qui sont effectivement qui ont une grosse capacité d'accueil de personnes, mais qui vont lentement. Un bateau, soit il est grand, il est lent, soit il est petit, il est rapide. La deuxième raison pour laquelle on prend un petit bateau, c'est qu'on refuse de faire le jeu des institutions européennes qui nous imposent des stand-off, donc ces longs moments où les bateaux de sauvetage ont des rescapés à bord et sont obligés d'errer en attente de l'attribution d'un port-sûr. Et nous, on dit non, en fait, on ne va pas faire votre jeu, on ne va pas mettre en place un outil qui permet des stand-off. On a un outil qui ne permet absolument pas d'attendre. C'est-à-dire que dès qu'on a du monde à bord, le bateau est très vite en situation de mayday, donc lui-même est en situation de détresse, et il faut que les autorités européennes réagissent. Donc nous, avec Sea-Watch, on a mis en place un rescue kit, qui est du coup un livret qui va expliquer aux capitaines de navires marchands ce qu'il faut faire, qui on peut appeler, quels sont les soutiens juridiques que nous on peut leur apporter. Et puis on va essayer de faire du soutien psychologique aussi aux marins qui ont été confrontés à ces naufrages, et on va accompagner comme on peut. Et puis c'est surtout que tous les bateaux marchands qui naviguent dans cette zone n'ont pas un franc-bord de 30 mètres d'eau. Le cas du Vos Triton, donc il faut imaginer que le nord de la Libye, c'est un immense champ pétrolier avec beaucoup de bateaux qui travaillent sur les plateformes pétrolières. Donc il y a ce type de bateaux qui s'appellent des supply, qui sont des bateaux très bas sur l'eau et qui servent un petit peu à tout. C'est un peu les couteaux suisses des bateaux d'assistance, voilà, qui vont servir à plein de choses. Et ces bateaux-là sont tout à fait aptes à faire du sauvetage. Comment vous faites pour arriver à convaincre les marins de la marine marchande de ne pas suivre ces procédures? On ne fait pas, on discute. Après, chacun trouve, met son aiguille là où il veut. Si pour lui, la vie de sa compagnie est plus importante que la vie d'une personne, c'est OK. Enfin, c'est... Ouais. On va pas. Vous appelez les commandants On rencontre les armateurs, on parle au capitaine, on utilise les réseaux qu'on a dans la marine marchande, on passe par les syndicats. On essaye vraiment de toucher le maximum de personnes. Après, ça, chacun... c'est le seul maître à bord, on ne pourra rien faire. Quoi. Moi, je peux lancer une perche, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Il y a carrément de la place pour les femmes. Et pour les hommes aussi, mais les hommes, il y en a beaucoup, du coup, bon... À bord du Louise Michel, j'ai entendu dire... À bord du Louise, il y en a aussi, oui. Il y a des hommes? Oui, il y en a aussi. Ah, oui. Ah, ça, c'est une information, visiblement, pour le public. Il a fallu... Je pensais que c'était un équipage 100% féminin. Alors, C'était au départ. On a essayé... Voilà, sur le montage du projet, on a voulu qu'il y ait des femmes qui prennent les postes à responsabilité et qui soient là... majoritairement sur le bateau, parce qu'elles existent dans ce milieu des ONG, comme dans tous les milieux, et qu'elles ont des compétences, mais que souvent, là comme ailleurs, c'est souvent les mecs qui vont faire le boulot, donc nous on a favorisé les femmes à cet endroit-là. Mais après, il a fallu faire des rotations, et certaines n'étaient plus disponibles, et du coup, bah, après on prend les mecs aussi, parce qu'ils savent faire le job, et c'est OK, ça se passe très bien. Mais le navire de SOS, donc Ocean Viking, donc vous avez, qui est en photo là sur le mur du Siemens, a été l'embarcation avec le bateau avec le Geo Barents de MSF qui a passé le plus de temps en mer. Et quand je dis passer le plus de temps en mer, ça veut dire un peu plus de 20% du temps, voilà, du temps en mer, passé, a été passé en mer sur une année. Hein. C'est un peu plus de 20% du ça temps quoi, a été passé mois, en mer. En fait, ça fait 2 mois, ça fait, ce sont des rotations de 3 semaines entre chaque changement d'équipage. Et effectivement, ça peut varier en fonction du nombre de secours, de rescue qu'on fait sur la période de rotation. En temps cumulé, ça fait 2 mois et demi. À peu près, oui. Mais c'est 2832 personnes sauvées en Méditerranée. Ce n'est pas un chiffre négligeable, on est bien d'accord. Hein. Le bilan du Louise Michel est beaucoup moindre, c'est beaucoup moins important, mais vous n'êtes pas dans une option opérationnelle
égale à la nôtre, identique à la nôtre, et vous avez un tout petit navire, vous le rappelez, que vous avez fait, vous me disiez, pendant l'été 2020, vous avez fait 3 opérations, et une ici en janvier, c'est ça ? Ouais. Une en janvier, et au total, vous avez fait 300 personnes sauvées, c'est ça ? Ça, à peu près, voilà. Et nous, 2832. C'est pas la même approche. Enfin bref, voilà, ça veut dire clairement que ce que nous faisons, nous, ONG de sauvetage en mer, c'est bien peu de choses par rapport au nombre de départs et par rapport au nombre de personnes disparues, perdues en Méditerranée centrale. Bien peu de choses. On nous fait beaucoup de procès aujourd'hui. On en a fait au Louis Michel, on en a fait à tous les navires, au nôtre également, en disant qu'on fait le jeu des passeurs, etc. Criminalisation des ONG, c'est assez classique comme discours. Nous avons une zone SAR immense, la zone SAR Libye est immense, immense, et il y a 2-3 navires de sauvetage en permanence présents sur cette zone SAR. Regardez ce que ça représente en termes de capacité à sauver. Aujourd'hui, ceux qui font le plus de, malheureusement, de boulot, et je ne vais pas appeler ça des sauvetages, je vais appeler ça des interceptions, ce sont les gardes-côtes libyens, tu l'as très, très bien dit Marie, grâce au soutien de l'Union européenne, du Fonds fiduciaire pour l'Afrique, plusieurs centaines de millions d'euros en formation, en dotation, en termes de moyens d'outils. Pardon ? 450 millions. Oui, c'est ça, on est à 500 millions quasiment. Renouvelé encore, hein, sur 3 ans, etc. Bon. Dotation d'équipement. Ouais. Dotation d'équipement. Les Italiens ont offert des vedettes rapides aux gardes-côtes libyens. Ils ont fait, l'année dernière, tenez-vous bien, 32 000 interceptions en Méditerranée. 32 000 interceptions. Je suis d'accord avec toi, Marie, ce sont des gens ensuite, ce sont des personnes, des femmes, des hommes, des enfants, qui vont systématiquement être enfermés dans des centres de rétention, dans les camps de détention, où la... Même le secrétaire des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, a dénoncé au mois d'octobre dernier les conditions de vie inhumaines qui, selon lui, s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Le terme a été employé par la mission d'experts des Nations Unies au mois d'octobre, crimes contre l'humanité. Voyez.